retour depuis quelques jours, j'étais pas là. Ça c'est quoi? Ça t'inquiète gros. Les gars, est-ce que ça va bien, oui ou non? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir de le savoir. Mec, je reviens de quelques jours de vacances et qu'est-ce que je vois? J'ai 5 cadeaux Winterfest de retard. Il faut que je les ouvre absolument. Alors, on va faire dans l'ordre. Non, oh le petit là, il m'intéresse, le petit là. On va l'ouvrir le premier. Oh, oh, c'est quoi ça? C'est une petite nuit. Je vais faire le gros jaune. On a quoi? On a... Oh, le planeur. Oh, oh, oh. Je vais prendre le gros rose. Attention. On a eu encore une musique, frère. Bon, c'est bien, mais bon, vas-y. Après, c'est vrai que les musiques de Fortnite d'hiver sont vraiment pas mal, comme celle-là qui est très connue. Moi, personnellement, ça me rappelle des souvenirs. Hop, on va prendre le big violet maintenant. Attention. Et... Oh, planeur, girouette, girouette. Oh, celle-là, en vrai, elle est stylée. Et le rouge, là, mec. Le rouge, c'est ma couleur préférée. Oh, revenons pas de pack-off. Oh, celui-là, bon, il est trop stylé, mec. Mais c'est pas tout, parce que depuis que je suis parti... Le skip Mister Beast, let's go. Attends, mais y a pas de pack. Attends, je vais péter un câble. Ah, si, y a le pack, let's go. Let's go. En vrai, je trouve premier degré trop beau le skin de Mister Beast, donc ça me fait plaisir. Seulement et uniquement les personnes qui veulent un skin gratuit sur Fortnite ont le droit de liker et de s'abonner à la chaîne. Ceci est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées. Et mec, j'ai vu qu'avec cette mise à jour, il y avait plein de bugs. Il faut que je vous en montre un. Il a l'air trop drôle. Ok, donc là, vous voyez, on est sur une carte, les gars, un peu plus simple. J'ai mis le skin Mister Beast et j'ai ma main. Là, vous voyez, elle écrit sur. En fait, il y a un bug avec le skin Mister Beast. Si jamais tu mets du coup la main de Mister Beast que tu vas dans le changeur de tenue et que tu décides de mettre, je sais pas moi, par exemple, la cimetière de Cypher ou alors encore le katana, et bah tu sors et là, regarde mec. Alors Mister Beast, on a plus de bras. Non mais mec, je vais péter un câble. Regardez, il a plus de bras. C'est quoi ce bug? Et si je tape, regarde, je tape dans le vide. Attends, j'ai envie d'essayer avec un autre truc qui se voit encore moins. Attention. Tada. Oh, il a plus de bras, Mister Beast, regarde. Les gars, il faut absolument que j'essaye ce glitch. Regardez, c'est un glitch en fait qui permet de te faire sauter et glisser hyper loin pour te déplacer plus vite sur la carte. Faut que je pose un sol, un mur et là un escalier et en même temps tu vas te pousser. Vous savez, vous allez jump et en fait vous allez pouvoir faire ça. Il faut absolument que j'essaye. C'est parti. Ok les gars, nous voici sur le jeu. Et alors, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il faut poser un sol et ça commence bien parce que ici je peux pas. C'est buggy, what? Bon, je pense que ça marche quand même. Et en fait, juste ce qu'il faut faire, c'est, vous voyez là, je peux poser un escalier. Le moment où je vais le poser, je vais pouvoir faire ça. Et normalement je devrais m'envoler. Attention, on va faire le petit test, est-ce que ça fonctionne? Wouah, j'ai pas du tout le move. Wouah, mais ça marche pas du tout, attends, c'est une dinguerie ça. Oh, oh, oh si ça a marché. Wouah, ça m'a envoyé hyper loin. Attends, mais cette fois-ci, il faut que j'arrive à faire le combo ou en même temps je glisse. Ok, attends, je casse, il faut vraiment que j'arrive en glissant, ce serait insane. Donc je prépare. Ok, je suis passé mais je l'ai pas eu malheureusement. Et les gars, je vous jure, je sais que c'est hyper technique hein. C'est hyper technique, je vous jure. Ouais, mais pas trop là, ça m'a eu mais pas non plus trop de ouf. En fait les gars, c'est considéré comme un truc pour aller plus vite. Sauf que là, je suis en train de galérer en fait là. Oh, oh. Non. Putain mec, attends mais est-ce que vous vous rendez compte que j'ai TP genre ici mec? Le truc il est là-bas. Ok, putain c'est dommage, là j'étais presque. Vous avez vu, il y a le mini TP là. Ok, là on l'a, là on l'a. Ok. Ok, ok, lui il est pas mal. Lui il est pas mal, j'ai quand même réussi à bien m'avancer. Glisser en suivant, nice. Ok, bon là le glitch les gars il est 100% validé, c'est incroyable. Il y a un peu de technicité, faut l'apprendre, mais une fois que tu l'as en main, c'est incroyable. Mec, j'ai vu ça aussi. Tu peux avoir des millions de points avec la moto en faisant un glitch ou bah tu te bloques sur un mur. Donc comment est-ce qu'il faut faire? Ouais, faut edit, faut mettre une pyramide et il faut casser la pyramide du coup avec un gun, comme ça ta moto elle est bloquée dessus. Et là du coup t'as juste à stunt et du coup tu vas faire des millions de points. Ok, faut que j'essaye absolument. Ok, je spawn et paaaaaah.
une moto magnifique. Alors, je crois que c'est pas très compliqué. De toute façon, ça va se faire très rapidement, mon ami. Ah non, merde, il me fallait une arme, c'est vrai. Il fallait une arme, j'avais oublié. Une arme, je vais en trouver une là-dedans, dans la petite maisonnette là-bas, là. Hop, la petite maisonnette, magnifique. Voilà, il y a une arme, c'est parfait. Bon, un pompe, j'aurais peut-être préféré. Voilà, un truc comme ça, c'est mieux. Oui, c'est exactement pareil sur un pompe, j'avais pas fait gaffe. Bon, alors, en gros, c'est très simple normalement. Alors, il faut prendre une pyramide que je vais poser ici, par exemple. Et juste là, on va faire un mur, mais du coup, edit comme ça. Ok, je crois, hein. Et là, j'ai juste à prendre la moto et à me mettre dessus. Bon, j'arrive pas à conduire, ça commence extrêmement bien. Et à me mettre dessus, alors comment est-ce que... J'ai pris du bois, quelle idée, frère. Je vais prendre du métal, hein, ça sera plus solide comme ça au moins. Et là, il faut juste que je saute dessus. Voilà, que je me mette bien, que je réussisse à me mettre bien. Voilà, comme ça. Oh, c'est dur, c'est le plus dur, ça, je crois, de me mettre dessus. Ah, c'est pas facile, hein. Ok, non, j'y étais, vas-y, là. Ouais. Non. Ok. Encore un peu. Non. Voilà. Non, mais putain, mais pourquoi t'avances, frère? Ok. Parfait. Je détruis ça. Ok, et là j'accélère juste. Ah non, après faut juste que je stun comme ça. Oh, ça marche, attendez. Regardez, j'enlève la cam. Regardez, ça marche. J'appuie juste sur ma touche pour stun. Ouah, ça monte hyper vite. Je vais essayer de faire le record de stun en termes de points. Oh, on me tire dessus. Non. J'ai fait 1 500 000 avant qu'on me tire dessus. Glitch validé et du coup ça rapporte de l'XP, donc ça c'est top. Les amis, vous le savez très bien, ça fait plusieurs jours que les cadeaux hivernaux ont commencé sur Fortnite. Et quand on va dans la petite cabane, on peut voir juste ici que, alors déjà il a été déplacé il y a quelques temps, mais Guff est avec autour de lui un cadeau. Il a un cadeau à côté de lui, sauf que quand on clique dessus, bah il nous dit partir. On bat les couilles, frère. Donc déjà j'ai vu un premier mythe qui disait que quand on cliquait sur le cadeau au lieu de Guff, bah le cadeau s'affichait, attention. C'est faux, ça ne marche absolument pas, d'accord? Mais du coup, j'ai trouvé un TikTok qui montre comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir le cadeau de Guff. Comment avoir le cadeau de Guff en 3 étapes? Il faut aller sur la droite et faire le Jingle Bell Song, vous savez, le truc de la ta-ta-ta-ta-ta. Et ensuite, il faut aller dans le frigo et attendre 5 secondes. Ok, genre juste là, ah non, tu vas à l'intérieur du frigo et t'attends 5 secondes, d'accord. Et après, c'est bon, c'est ça? C'est ça? Non, c'est pas possible, attends. Ça se trouve, c'est juste une suite que personne n'a jamais fait. Peut-être que ça fonctionne, je sais pas. Ok, donc du coup, je vais à droite. Je prends les cloches, on est bien d'accord. Il n'y a pas écrit combien de temps est-ce qu'il faut rester. Je sais qu'après, il y a le remix là. Ok, bon, c'est bon, stop. Ok, donc là, j'ai fini Jingle Bells, donc c'est bon, ok. Là, maintenant, je vais au frigo. Je vais dans le frigo et j'attends 5 secondes. Ok, attention, comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je quitte. Guff, est-ce que tu veux bien me donner ton cadeau, s'il te plaît? Eh bien non, pas ce soir! Ça veut en dire long, ça veut en dire très très long, c'est-à-dire que je me suis fait avoir comme un bleu. Bon, et bien écoutez les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez apparaître dans la vidéo de demain. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ce soir la France va gagner la Coupe du Monde si la vidéo sort dimanche. C'était Brice, ciao les potes!